Eh bien oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Ici donc le Parc des Princes à Paris, où va se dérouler ce soir la rencontre amicale France-Hongrie, puisque vous le savez, pendant deux années maintenant, jusqu'au championnat d'Europe des Nations 1984, ce sera le lot de l'équipe de France de disputer des matchs amicaux, car qualifiée d'office pour le championnat d'Europe des Nations qu'elle organisera, l'équipe de France n'a plus que des matchs amicaux à se mettre sous la dent. Et alors que l'on voit le ministre des Sports, Mme Avis, aux côtés du président de la Fédération française de football, M. Fernand Sast, première chose, Bernard Père, on peut regretter tout de même que le public parisien n'ait pas répondu plus nombreux à l'appel de la Fédération pour venir voir cette rencontre où l'on voit tout de même à une ou deux unités près l'équipe qui a failli disputer la finale de la Coupe du Monde il y a environ deux mois et demi. Oui, c'est étonnant. Lors du match France-Pologne, on pouvait comprendre que les spectateurs parisiens avaient boudé cette rencontre, mais là, ce sont pratiquement ceux qui avaient brillé lors de la dernière Coupe du Monde qui vont jouer ce soir, à l'exception bien sûr de Thierry Tussaud, l'arrière-gauche, et de Laurent Rousset, alors que Pierre Badel vous propose l'équipe de Hongrie, une équipe de Hongrie très rajeunie également, une équipe de Hongrie, elle, qui va préparer sa qualification pour les championnats d'Europe, puisque l'équipe de Hongrie rencontrera successivement l'Angleterre, le Danemark, la Grèce et le Luxembourg, un groupe bien difficile. Donc beaucoup de nouveaux capés, comme l'arrière droit Péter, comme le milieu de terrain Amnich, comme également l'ailier droit Borostin et l'ailier gauche Hajan. Il faut signaler que l'entraîneur qui a gardé son poste, qui est étonnant pour un pays de l'Est, Mezzoli, a appelé 5 joueurs du Rabat Eto, Rabat Eto étant l'équipe championne de Yougoslavie. L'équipe de France, vous la connaissez sans doute, donc Castaneda dans les buts, Bossis, Mahut, Trésor et Thierry Tussaud qui remplace Amoros. Tigana, Gires, Platini, Genghini, on l'appelle maintenant le carré magique, même si Genghini n'a pas peut-être retrouvé la grande forme de l'Espagne. Et devant, Didier Six et Laurent Rousset. Laurent Rousset, dont c'est la première sélection et dont on attend beaucoup. C'est un garçon d'avenir qui a fait un début de saison en tout point remarquable. Et Michel Hidalgo a donc voulu lui donner confiance. Donc absence des spectateurs, étonnant dans la mesure où on pensait qu'il voudrait saluer cette équipe de France, la remercier des matchs fantastiques que cette équipe de France a fait lors de la Coupe du Monde. Et bien finalement, il n'y a que 20 000 personnes qui sont venues ce soir. La pluie a peut-être découragé les spectateurs. L'absence également peut-être de grande émotion dans la mesure où ce match est un match amical. Mais enfin, pendant deux ans, l'équipe de France va jouer des matchs amicaux. Il va bien falloir s'y habituer. Ces matchs seront quand même importants pour l'équipe de France dans la mesure où elle devra les jouer d'une manière vigoureuse, dirons-nous, qu'elle devra s'employer pleinement pour se préparer pour les championnats d'Europe qu'elle va donc organiser en 84. C'est parti, Thierry. C'est parti, oui, avec Michel Platini qui est, contrairement à ce qui était indiqué dans la presse, le capitaine de la sélection nationale. Ça n'est pas Marius Trésor pour sa 62e sélection qui porte le brassard, mais bien Michel Platini. Première coup franc, première faute du Hongrois Bourcha et premier coup franc sifflé par l'arbitre belge Monsieur Vereg. Les deux juges de touche étant Messieurs Goris et De Blicker, qui sont également des référis Belge, les Hongrois, tout de blanc vêtus, qui se dégagent par Garaba, bien pris par Michel Platini. Michel Platini qui retrouve ses amis de l'équipe de France, Bourcha. Six, Platini, Gires. Tir de Gires à ras de terre et bon premier arrêt du gardien de but hongrois Katirtz. Pas de ronde d'observation dans cette rencontre. On voit que l'équipe de France veut prendre ce match en main d'entrée. Elle se méfie quand même de cette équipe hongroise qui n'a pas fait un très grand mondial. Certes, cette équipe avait passé Didier au Salvador. C'était incliné 4-1 face à l'Argentine et fait match nul avec la Belgique. Mais lors d'un match de préparation, contrairement à l'équipe de France qui avait été battue 4-0, mais cette équipe hongroise avait battu la Turquie 5-0 à Budapest. Et les Français voudraient faire un bon match ce soir devant ce public parisien clairsemé pour faire peut-être regretter aux absents de ne pas être venus ici au Parc des Princes. Notez que les Hongrois jouent avec trois attaquants. Les Français sont
souvent beaucoup plus à l'aise quand l'équipe adverse joue avec trois attaquants, alors qu'au contraire, Michel Hidalgo a préféré revenir à une tactique qui lui a porté chance lors de la Coupe du Monde, au moins dans la deuxième partie, avec deux attaquants du D6 et Laurent Rousset. On verra très certainement soit Jean Tigana, soit Alain Giresse venir sur le flanc droit, et naturellement Max Bossis qui joue aujourd'hui arrière droit puisque Thierry Tussaud, l'autre Nantais, a pris le poste d'arrière gauche. Burcha pour la Hongrie, le numéro 10. Pour Kerekes, Pokzik. Et premier ballon vers Jean Castaneda, le gardien de but de Saint-Étienne, qui retrouve l'équipe de France. Giresse l'a dépossédé du ballon. Les Hongrois par leur ailier gauche à Chian. Constatation, malgré la pluie diluvienne qui est tombée sur Paris ces dernières 48 heures, eh bien, la pelouse semble être en parfait état. Certes, on a empêché les Hongrois de s'entraîner dessus hier, mais elle a l'air de tenir parfaitement et ne pas gêner les acteurs. Burcha, le meneur de jeu de la sélection hongroise, sur la gauche, Ashian, centre et une reprise d'un défenseur français qui met le ballon Mahut en corner. C'était le stopper Mahut qui a dégagé ce ballon. Et c'est le premier corner de la partie, donc sur ce centre venu de la gauche qui va être tiré par Ashian, l'ailier gauche de cette toute jeune équipe hongroise. Du pied gauche, comme il se doit. La balle qui file jusqu'à l'autre numéro 11, Didier Six. Platini. Bien démarqué, Platini. Bien seul. Ballon pour Max Bossis. Et directement sur le gardien de but hongrois, Béla Kadzirt. Les Français toujours maîtres du ballon en ce début de match. Jean Tigana. Jean Tigana. Eh oui, approché. Faute de Tote, le capitaine hongrois. Et coup franc. Très dangereux pour l'équipe hongroise. Il part très bien, Jean Tigana. Là. Alors, bien sûr, il y a les deux tireurs de coup franc patentés. Michel Platini en ce qui concerne les coups francs de la gauche et Genghini de la droite. C'est très certainement donc Bernard Genghini qui va le tirer. Bonne position, ce coup franc. L'arbitre belge, monsieur Vereg, va très certainement faire reculer le mur. Jean Tigana a prouvé là qu'il était en parfaite oui. condition physique parce que sa percée était remarquable. Veuillez reculer, messieurs, voilà. Un mur hongrois de haute taille. Oui, ballon contré par ce mur, récupéré. Six en jeu. Dommage. Bien joué de la part de la défense hongroise, là qui est bien montée sur ce coup franc que Platini avait récupéré. Pas assez levé son ballon, Bernard Genghini. Mais comme vous le disiez, Thierry, le mur hongrois est très grand. C'est un mur robuste, il y a beaucoup de 1m80 et plus dans la défense hongroise. Peter remontant le ballon là. Pour le très rapide ailier droit. Oui. Mais Borostian là a commis une faute, signalée du reste par le juge de touche. Les deux ailiers hongrois, je vous le signalais en début de reportage, accomplissent ici leur première sélection. Et curieux du reste de constater, Bernard, que Kalman Mesoli, le sélectionneur, le Michel Hidalgo hongrois, a fait confiance en bloc au joueur du Vasas Gyor de Rabaeto, oui. le champion de Hongrie. Simplement ce qui concerne le milieu de terrain et l'attaque, puisqu'il n'y a aucun joueur de cette équipe en défense alors que les Français attaquent. Platini qui veut remettre sur la gauche là-bas, bien joué. Hors-jeu. Et hors-jeu signalé là-bas. Un très beau double 1-2 en tout cas entre Giresse et Platini. Les deux hommes ont retrouvé leurs automatismes. Et s'il y en a Giresse bien sûr, leurs automatismes du Mondial. Et ils ont retrouvé tout de suite leur partition, les Français. Ils ne se sont pas cherchés en ce début de match. Et Thierry Tussaud, là, s'était fort bien mêlé à l'affaire. Certes, il a été signalé hors-jeu à la fin de cette action, mais c'était remarquablement joué. Kerekes, là-bas, pour Peter. Longue balle en avant pour Pokzik. Et une faute de Bernard Genghini, qui vaut un coup franc à l'équipe hongroise.
Coup de tête de Mahut. Fokchik. Six. Ah. Aux prises avec Tot. Qui retrouve toute la vigueur de la Bundesliga, semble-t-il, ce soir. Les Hongrois essayent d'accélérer le jeu. La défense française, pour l'instant, ne se laisse pas faire. Mais le ballon est hongrois en ce moment. Bien joué le hors-jeu. Le ballon piqué de Anmich, là, mais... Bien joué de la part de la défense tricolore. Max Bossis, Gires. C'est le jour et la nuit, en tout cas, entre ce début de match, entre l'équipe française qui avait évolué contre la Pologne. Il est vrai que les motivations n'étaient pas les mêmes, mais un match contre la Pologne qui venait nettement trop tôt dans la saison, après la saturation du Mondial. Oui, à ce propos, on peut peut-être regretter que les organisateurs du match de bienfaisance au profit des joueurs de l'UNFP n'aient pas choisi, comme ils en avaient l'habitude du reste, une équipe de club pour affronter la France en ce début de saison. Ou essayer de trouver une autre date un peu plus tard dans la saison. Le public aurait certainement mordu davantage. Michel Platini, contré. Ils ont du mal à passer par le centre quand même, les Français, en ce moment-là. Car la défense hongroise se replie très bien. Bon coup de tête de Marius Trésor. Oui. Ballon récupéré par les Hongrois, Fokchik. Pour l'ailier gauche, Hachian. Kerekes. Directement sur Gengili. Ah, Gires serré de près, ils étaient deux sur lui, dont l'ailier droit Borostyan. Un peu trop tendance peut-être les Français actuellement à vouloir passer par le centre. Enfin, Bossis. Bossis, comme toujours, à longues enjambées, Bossis. Oh. Il a pris l'habitude de venir se mêler à ses attaquants. Tir de Six contré. Il y a beaucoup de monde, beaucoup trop de monde là au centre. Bien sûr, ils font de bonnes percées, mais il y a toujours un pied, bien sûr, qui est là pour repousser un tir ou une action. Kerekes qui s'est fait mal là en concédant ce corner en faveur de l'équipe française. Le premier donc pour la sélection. Gires. Kerekes. Fokchik. Bourcha. Ils remontent très vite les Hongrois. Anmich. Bourcha. Ah, raté. Pas oublier que les Hongrois ont toujours eu de remarquables techniciens. Et même si Mesoli présente là une toute nouvelle équipe. Ah, c'est une technique en mouvement que possèdent les Hongrois, pas du tout une technique arrêtée. C'est pour ça que le jeu du reste est très vif des deux côtés, car les Français aussi ont adopté ce rythme vif avec des bons mouvements d'ensemble. Et Gires qui est marqué de très près, parce qu'on sait en Hongrie que Alain Gires a été nommé en Espagne meilleur joueur français du Mondial et surtout le joueur le plus combatif du Mondial. Bien joué Gentilgana, là encore une fois, un peu accroché et les Hongrois peuvent se dégager par Fokchik. Peter. Borostyan. Fokchik. Peter, très grand Peter, 1m85, c'est un ancien ailier et devenu défenseur, comme cela se produit souvent du reste. Kerekes, longue balle en avant vers l'ailier gauche, Hachian. Bien fait, très bien fait, Hachian, attention face à Marius Trésor. Ah, il a oublié le ballon, heureusement. Coup de tête, Bernard Gengini. Il avait bien passé et au-dessus. Bonne frappe là. Hachian avait très très bien passé Max Bossis, ce qui est toujours difficile et c'est une référence. Et là, Marius Trésor a fait peur. Marcher un peu sur le ballon. Mais c'est bien la preuve que les Hongrois quand même sont venus ici pour disputer un match sérieux dans la mesure où c'est une équipe jeune, que beaucoup de joueurs de cette équipe cherchent à devenir titulaires à part entière de l'équipe hongroise pour jouer les matchs de qualification pour les championnats d'Europe. Il est certain que ce match, à partir de là, revêt un peu plus d'intérêt qu'un match amical traditionnel. Sans enjeu. Et 12 minutes de jeu déjà, sans but marqué, 0-0 entre la France et la Hongrie.
et sans véritable occasion de but d'un côté comme de l'autre. Platini taclé dans le dos par le numéro 6 hongrois Garaba et un coup franc indiscutable joué rapidement entre Gengini et Gires. Laurent Rousset, Platini contré, Bourcha bien pris par Marius Trésor, Laurent Rousset. Obstruction, oui. Non. Non, monsieur Vereg a fait signe de continuer à jouer. Peter. Tot, le capitaine, le numéro 4 de la sélection hongroise. Bourcha. Tot. Garaba. Oh, bien joué Mahut, attaque du ballon. Zentes s'était présenté, mais le stopper stéphanois a bien joué le coup. Là, il est du reste en très bonne forme depuis le début de la saison, sous le maillot de son club, Philippe Mahut. Gengini, Platini, laisse filer Gengini pour Tigana Mahut. On va peut-être écarter maintenant, parce que par le centre, ça me semble bouché. Les joueurs hongrois se méfient terriblement des Français, puisque l'entraîneur Mezzoli les a appelés les Brésiliens de l'Europe, s'il vous plaît, quel beau compliment. Et donc, ils reviennent tous se regrouper rapidement en défense, mais surtout dans le centre. Et c'est justement par là que les Français essayent de passer. Alors, ils passent deux, trois adversaires, mais se font ensuite contrer. Alors qu'il serait peut-être préférable d'essayer d'écarter un peu le jeu. Mais dans la mesure, bien sûr, où on joue avec deux attaquants, c'est peut-être un peu moins facile. Alain Gires, Laurent Rousset. Six, voilà. Gires, bien fait. Gires aux prises avec Tote, le capitaine va pouvoir centrer, centre en retrait. Oh. Aïe, 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 ballon que n'a pu maîtriser Gengini, c'était fort bien fait. Vous voyez que les débordements par l'aile sont toujours payants, ou bien souvent payants, en tout cas pas toujours, hélas. Coup de tête de Tussaud face à Borotian, Bourcha. Borotian a voulu centrer en retrait lui aussi, mais Trésor, très vif Marius. Malgré ses 32 ans passés, il reste une pièce maîtresse de cette équipe. Oui, c'est pas le Marius Trésor de France-Pologne. Il a retrouvé toute sa forme, Marius. Laurent Rousset. Platini. Gires. Oh, si ça passe, c'était bon pour Laurent Rousset, mais ça n'est pas passé. Ballon toujours français. Tigana, Six. Eh oui, mais Six vient toujours sur le centre. Il devrait peut-être essayer de rester sur son aile, Didier Six. Tigana, Gires, Platini, Gires. Ballon pour Laurent Rousset en position d'ailier droit. Et personne ne s'engage à côté de Laurent Rousset. Bossis. Vous voyez que quelqu'un allait prendre le trou. Tigana, ah non. Alors. Ballon de Jean Tigana qui sort en sortie de but en faveur de Bella Katsirts. On sent la défense hongroise très concentrée, très regroupée d'une part, mais très concentrée aussi sur son sujet, se méfiant terriblement de ce quatuor du milieu de terrain français, essayant de pratiquer par des ailiers qui sont très rapides. Oui, comme Achian, l'ailier gauche, là, face à Bossis. Ah, c'est bien fait. Pas commode face à Bossis, mais Bossis remarquable. Non, il n'y a pas faute. En jouant le ballon, tout à fait. Il n'y a pas du tout faute. Ça se plaignait, mais il avait tort. Tigana, Gires, ballon remonté par les deux Bordelais. Ouverture de Alain Gires vers Didier Six là-bas, face à Peter, ouais. Qui ne passe pas non plus. Bien joué de la part des deux défenseurs. Là, Bossis d'un côté, Peter de l'autre. Remise en jeu faite rapidement. Gengini. Tussaud. Marius Trésor. Français très offensifs, sont tous dans le camp hongrois. Mahut, Gires, Trésor, Platini, tir contré. C'est pas fini. Six va centrer. Aïe, chercher la tête de Trésor. Gires peut frapper. Oui. Oh, aïe, il était masqué. Bien joué de la part de Kartrich, le gardien hongrois. Car au départ du tir de Alain Gires, il était masqué. Et des grands gardiens.
On revoit l'action là, Bernard. Oui. Avec Didier Six qui est irrité d'un contre favorable sur le tir de Platini. Un centre qui arrive finalement sur Alain Giresse. Qui prend sa chance. Et regardez le gardien là. Heureusement qu'il était grand, ce gardien. Qu'il est grand plus exactement. Il était chercher ce ballon du bout des doigts. Et il mesure tout de même 1m95. Oui. On peut peut-être tirer à ras de terre. Giresse tire ce corner. Oui, Mahut était monté mais n'a pu frapper ce ballon de la tête. Tigana peut-être, oui, mais la balle va filer en touche, j'en ai peur. Malgré Michel Platini, le capitaine français qui s'est précipité sur ce ballon. Remise en jeu en faveur de l'équipe de Hongrie. Alors que l'on joue la 18e minute de cette partie. Et que rien n'a été marqué. Oui, mais une partie disputée sur un bon rythme en tout cas. Avec deux équipes qui se livrent, qui se méfient l'une de l'autre avec une, je me répète un peu, mais j'ai remarqué que cette défense hongroise est très difficile à passer dans la mesure où elle se regroupe très vite et qu'elle ne se laisse pas prendre au piège des 1-2 et des combinaisons françaises. Anmich qui a cherché là-bas Gentes. Bonne intervention de Tussaud là. Giresse, longue balle en avant pour Didier Six. Kerekes est là. Où il s'est jeté Didier, mais il n'a pu capter ce ballon. Kartrix, le gardien hongrois. Garaba. Popchik. Reprise avec Giresse. Chentes. Garaba, bien joué. Non, Marius Trésor. Impérial Marius pour l'instant. Tussaud. Laurent Rousset qui bouge beaucoup à la recherche du bon ballon qui va peut-être faire mouche. Mésentente là entre Laurent Rousset et Giresse. Ballon toujours français. Gengini. Oui, bien fait Michel Platini qui voit sur le côté car Laurent Rousset lui a remis un bon ballon. Alain Giresse face à Peter. Centre du pied gauche. Ouais, un petit peu bousculé. Ah, faute là, ouais. Oui. Déjà, il y avait une petite faute sur Platini. Sur Platini, l'arbitre avait laissé jouer. Mais là, il y en a une belle sur Gengini. Ah, peut-être un peu trop de face, ce coup franc. Enfin, il faut peut-être pas se plaindre que la mariée est trop belle. Là, il est... C'est un coup franc tout à fait réalisable. Ah, il en a marqué quelques-uns, Michel Platini, sous le maillot bleu de l'équipe de France. Monsieur Vérec fait encore reculer le mur jusqu'au point de pénalty, 9m15. Un peu haut, c'est bien joué. Oui, celui de Gengini était un peu bas tout à l'heure, celui de Platini ici qui semble un peu déçu était donc un peu haut. Et de toute façon, le gardien était sous le ballon. Ça ne peut pas être facile à battre ce gardien. À ras de terre, je dis, de loin peut-être, pour le temps que la pelouse quand même doit faire fuser le ballon. Didier Six. Platini. Six. Bon dégagement de la part de l'arrière central hongrois, Kerekes. Tous les Hongrois sont dans leur 30 mètres, 40 mètres quand les Français ont le ballon. Inlassablement, Mahut et les défenseurs français, Tussaud, là par exemple, remontent ce ballon. Tussaud à nouveau, Tigana. Tussaud. Rousset. Bien joué Mahut. Bonne passe de Bernard Gengini là. Et bien joué aussi de la part de Laurent Rousset. Il cherche à frapper ce ballon. J'ai l'impression qu'il a plutôt raté son centre. Oui, il a voulu centrer là, parce qu'il ne pouvait pas tirer compte tenu de la distance et de l'angle. Mais il l'a raté. Ce sont des choses qui arrivent. Pour une fois, il doit être un peu ému, Laurent Rousset. 20 ans et demi, 21 ans en décembre. Ce garçon, vous le savez, qui a été blessé il y a 4 ans de cela, qui a été arrêté pendant près de 16 mois. Et qui a été encore opéré au mois de mai dernier. On lui a retiré un fil de 25 cm. Et depuis, il est devenu l'un des meilleurs buteurs du football français. En tout cas, il fait un bon début de saison, confirmant
tout le bien que l'on pensait de lui quand il était fort jeune. Et il souhaite de réussir parce que c'est un garçon qui a su lutter pour retrouver à la fois sa forme et une bonne condition et tous ses talents de footballeur. Boxic pour la Hongrie. Tot. Ah, c'est rare de voir Tot en position d'attaque, en tout cas dans cette partie, car c'est un attaquant ancien lui aussi. 50 sélections, Tot. Dans la mesure où il n'y a pas d'ailier droit pour l'équipe de France, l'arrière gauche, Jean Clementé. Un bon ballon pour Rousset qui va pouvoir tirer. Oui, et voilà, bon tir. Et bel arrêt. Et il est bon aussi à ras de terre, ce gardien de but hongrois Katsirts. C'était bien avancé là. Les Hongrois repartent par Kerekes. Hanmich. Borotian. Centre de Péter complètement derrière le but de Jean Castaneda. Je voudrais profiter de cet arrêt de jeu pour dire un petit bonjour à un garçon qui doit regardez ce match, c'est le fils de notre ami René Bliard. Vous vous souvenez de René Bliard qui était à l'époque de la Coupe du Monde de 58, celui qui avait été blessé, qui n'avait pas pu aller en Suède et qui avait été remplacé par Justo Fontaine. Et bien son fils a connu la même mésaventure que lui. Il s'est fracturé la jambe en jouant au football lui aussi. Alors nous lui souhaitons bon courage et bonne chance. Et nous lui dédions, Bernard Père et moi-même, ce reportage, comme nous le dédions également à la mémoire de notre ami Aimé D'Artus, qui nous a quittés l'année dernière et qui sinon aurait été présent, ses appareils de photos en main, sur cette pelouse du Parc des Princes qu'il a tant fréquenté. Ballon pour les Français, par Philippe Mahut. Sur la droite, Laurent Rousset, Mahut à nouveau. Bonne balle en profondeur, pas hors-jeu Laurent Rousset, mais difficile à contrôler ce ballon. Ah, il s'en tire bien Laurent. Mais malheureusement, il l'a poussé un peu loin. Hanmich, Tot. Joue un peu avec le feu, Tot. Il était un peu en perdition, là, le capitaine de la sélection hongroise. Enfin, il s'en est bien tiré. La touche est au bleu. Jean Tigana. Les Français qui ont pris maintenant complètement le match à leur compte, ils dominent cette équipe hongroise, mais sans pouvoir inquiéter le gardien but Katsirts. Mais il faut remarquer que lorsqu'ils attaquent, les rares attaques qui sont réussies depuis le début de cette rencontre, eh bien, les Hongrois se retrouvent à 5 ou 6 joueurs, ce qui prouve que vraiment ils couvrent beaucoup de terrain, d'autant la formule qui est maintenant la formule de pratiquement toutes les équipes, tout le monde à l'attaque, tout le monde en défense. Kerekes, Garaba, Kerekes à nouveau. Longue balle en avant vers Bourcha, faut pas la rater Marius, coup de tête réussi. Bossis. Gires. On va espérer quand même que les Français trouveront le chemin des filets hongrois pour justifier leur titre de meilleure attaque de la Coupe du Monde. Gengini, Platini. Battu physiquement l'Ingires, mais les Français récupèrent le ballon. Michel Platini, Gires. Remarquablement joué, dommage, c'était bien fait la passe de Gires dans l'axe de la course de Platini. Mais il se méfie beaucoup de ces combinaisons entre Gires et Platini, les Hongrois. Ils sont toujours 3-4 en défense pour contrer les deux joueurs. Et c'est souvent que Platini et Gires sont donc contrés. Alors que ça devrait libérer les partenaires. Didier Six, lui, a bien du mal avec Peter qui fait un très bon match. Arrière droit. Et Six là en position défensive après avoir perdu le ballon. Ashian, l'ailier gauche, face à Bossis. Gengini également. Kokchik attaqué par Platini. Shentes. Kerekes. Kokchik face à Platini. Bien joué de la part de Platini défensivement.
Gires, Bossis. Ouais, ah. Gires qui laisse filer le ballon ayant senti Gengini derrière lui. Tigana. Et interception. Gengini qui fait un bon début de match également. Depuis le début de la saison, il a quelques problèmes physiques et d'adaptation aussi. Et c'est normal avec l'AS Saint-Étienne. Il a quitté Sochaux pour les Verts. Mais là, ayant retrouvé ses partenaires habituels de l'équipe de France, avec qui il a vécu pendant 2 mois, eh bien, Gengini semble en même temps avoir retrouvé une certaine forme. Bien joué défensivement là, de la part de Didier Six. C'est faute de main en faveur des Français, mais Six était revenu bien défendre. Lui aussi, il est complètement épanoui sous le maillot blanc et rouge de Stuttgart, qui domine actuellement la Bundesliga, alors que Tussaud est aux prises là-bas avec Borotian. Et faute du Hongrois, estime l'arbitre belge, M. Vereg, et coup franc en faveur de l'équipe de France. Alors que l'on approche tout doucement de la demi-heure de jeu, avec toujours pas de but de marqué. Ah non, centre repris de la tête, mais difficilement par Laurent Rousset. Platini, position d'ailier droit. Platini toujours contre Fafaute. Ah, si monsieur l'arbitre, il était loin. Il était bien loin, il avait un endroit juste devant lui en plus. Oui, oui. Il y avait certainement une faute de Garaba qui en a bénéficié puisqu'il a pu faire 40 mètres sur cette action balle au pied. Vokchik. Garaba, Peter. Et voyez maintenant qu'ils ont le ballon, les Hongrois, bien ils sont tous pratiquement dans le camp français. Chentes. Achian. Attention à cet ailier. Coup de tête de Mahut. Très bon de la tête, Mahut. Tigana. Tigana. Bossis. Re-Jean Tigana. Pas beaucoup de solutions. Oui, Bernard Gengini. Ah non. Ça bouge pas assez peut-être devant. Oh, c'est très bon tacle là de Philippe Mahut. Laurent Rousset. Bossis. Rousset. C'est bien fait. Platini. Gengini. Oui, hors-jeu. Ah, et pourtant, disons qu'il pouvait le voir, Didier Six. La défense montait. Et il s'est fait prendre alors qu'il s'était bien démarqué sur l'aile gauche. Encore une fois, que les Français écartent peut-être davantage de jeu. Enfin. Garaba vers Tote. Bien pris par Laurent Rousset, Platini, Gires, Rousset. Ah, ouais. Pour Gires dans les 16 mètres. Oh. Et une faute. Ils commettent pas mal de fautes, je trouve, ouais. Les Hongrois. Mais enfin, ça n'est pas méchant. Ils ont tendance à céder un peu du bras, là. Comme le numéro 3 de Kerekes. Ça brise un peu les actions françaises. Et encore une fois, ils ont très peur des combinaisons du carré magique, comme on l'a maintenant appelé, à savoir Gengini, Tigana, Gires, Platini. La vivacité des Français. Là, ils se sont tous mis dans la surface de réparation pour ce coup franc d'Alain Gires. Et ballon écarté immédiatement par les Hongrois. Encore une fois, Mahut. Oh, oh là 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 là. Il a pris le coup. Il a pris le coup, le ballon et le pied, les deux. Achian. Mahut, oh. Contre favorable au Hongrois. Chentes, tir contré. Gengini. Gires s'est relevé. Oui, c'est un touche. Voilà, Gires à nouveau en possession du ballon. Mahut. Ah, il a voulu de la poitrine détournée pour Didier Six, mais il a manqué 2 mètres. Garaba, Kerekes, Tote, Vokchik,
Français n'arrive absolument pas à pénétrer dans la surface de réparation hongroise. Il combine bien aux 40 mètres, il y a d'excellentes actions, mais impossible de pénétrer dans cette surface de réparation pour l'instant. Pokšić dans le rond central. Borotian, Anmich, Peter. Chentes, position d'ailier droit, et une nouvelle fois Philippe Mahut. Oui, Chentes qui a bien des problèmes avec Philippe Mahut. Ah, ça va sortir en corner, sorti en corner. Ce coup de tête de Thierry Tussaud. De partout pour les corners. Alors que Castaneda fait le genre de match qu'un gardien n'aime pas beaucoup, à savoir qu'il n'a absolument pas été sollicité depuis le début de la rencontre, c'est toujours mauvais. Borotian. Tigana. Six. Gengini. Beaucoup de chance pour Gengini. Laurent Rousset. Oui, talonne Bossis, mais la défense hongroise s'est regroupée. Bien joué Bossis, Gires. Un nouveau coup franc. Ah, beau coup franc. Et oui, Gires qui prend beaucoup de coups de la part des défenseurs hongrois. Et là, c'est un bon coup franc pour Bernard Gengin, exactement à l'endroit où il les aime. Je pense qu'au magnétoscope, les Hongrois ont dû se faire passer et repasser la manière de tirer le coup franc de Gengini et de Michel Platini. A savoir que normalement Gengini va essayer la lucarne gauche, c'est-à-dire le point supérieur gauche. Voilà. Reculez messieurs. Gengini. Hop. Voilà. Ah, oui. Un peu ça marche pas à tous les coups. Et là, un petit peu trop à droite. Lorsque l'on fait face au but défendu par Katwirtz. On le revoit. Et il est quand même hein. Sur le petit filet, mais bien à l'extérieur. Bossis. Bossis, oh bien joué. Exploit technique du capitaine nantais qui a succédé à Henri Michel à ce poste cette année. Gengini. Henri Michel qui est sur le banc de touche maintenant. Adjoint Hidalgo. Ah, ça serait peut-être le moment d'essayer de placer une grande accélération là, de la part de l'équipe de France. Parce que finalement, il n'y a pas trop de changement de rythme. Les Français jouent assez vite, même vite, mais sans changement de rythme. Si bien qu'ils n'arrivent pas à prendre en défaut cette défense hongroise. Longue balle de Michel Platini vers Didier Six, comprise avec Peter. Il a sauvé la touche Six. Il attend un soutien qui arrive à la personne de Tigana, Platini. Tigana, re-Platini peut-être. Oui, bien fait. Ah, ils se battent bien les Français. Hein. Ça, on ne peut pas le leur reprocher. Laurent Rousset, battu, lobé, je dirais, par le ballon. Et remise en touche en faveur de l'équipe de Hongrie. Le tout à 8 minutes de la fin de cette première mi-temps. Toujours pas de but marqué. Pas de but marqué, pas d'occasion. On a vu un tir de Laurent Rousset, mais sans que le gardien du Hongrois soit mis véritablement à l'ouvrage. Alors, un match, il y a des bons 0-0. Disons que dans le jeu est agréable à suivre, mais aucune équipe n'arrive à se créer des occasions de but. Les défenses prenant nettement le pas sur les attaques. Ah, bon ballon de Anmich là. Mais Bourcha avait un petit peu présumé de ses forces là et il n'a pas pu passer complètement en Marius Trésor. Les Français repartent. Tussaud, Six poussé dans le dos, coup franc. Ouais. Tigana, Trésor, Gengini. Trésor.
Oui, bien joué Didier Six, peut-être pouvoir frapper. Ah, bien remis par... Marius, le ballon était derrière lui. Il ne pouvait pas le tirer. Il ne pouvait pas tirer au but, Marius Trezor, mais la combinaison était de toute beauté, oui. Là. Entre Gires et Didier Six. Avec... une fois, là, Alain Gires en position de débord. Tigana. Vous voyez que dès que les Français partent par les ailes, eh bien, ça crée des situations dangereuses, incontestables. Tussaud. Ah, c'est la plus belle action du match, cette action Gires, Six, Trezor. Platini, Tigana. Ah, oh là là, il y avait Michel Platini qui était là. Ouf, ouf. Frappé à côté du ballon, Platini dans les 16 mètres. Ah, pique le ballon. Oh, ah, c'est... bien fait. Allez, maladroit. Mais au-dessus. Et Laurent Roussel lui fait remarquer qu'il était seul à côté de lui. Oui, mais il l'a pas vu. Je crois que c'était dans son dos. Et là, c'était bien joué. Rien à dire. Allez, on revoit. Premier ballon. Le ballon va parvenir. C'est bien vu du reste de la part de Laurent Roussel qui a passé ce ballon à Platini. Platini pique le ballon, voyant que le gardien du Hongrois était avancé. Mais enfin, en plus, il est très grand, ce gardien, donc difficile à lever. Ce qui explique peut-être que Platini ait mis ce ballon. Bourcha qui n'était pas hors-jeu. Marius Trezor qui arrive. Tel un bulldozer, vraiment. Et Pas évident. Alors là, c'est pas évident du tout. Et c'est un coup franc, ma foi, fort dangereux. C'est un tout petit corner en faveur des Hongrois. Il me semble vraiment impressionné par la puissance d'intervention de Marius Trezor. Oui, je pense, oui. Marius Trezor qui a joué le ballon sur cette action. Et je pense que l'arbitre lui a reproché de se jeter les deux pieds en avant. Pokšić, le numéro 8 hongrois du pied gauche. En retrait, ouf, frappe de Kerekes. Ouh, dangereux. Mais l'arbitre avait sifflé. Il a été la chercher de toute façon, Castaneda. Oui. Difficile lui aussi à lever car très grand. Ça repart. Platini. Gires. Gengini. Talonnade. Jean Tigana, Trezor, Tigana, Bossis, Trezor, Aïe. Gengini. Sont bien placés Tigana. Sur le terrain, les Hongrois, ils le couvrent bien ce Tigana. Terrain. Tigana. Oui, Laurent Rousset. À la limite de la surface de réparation. Ah, au deuxième poteau. Et tête de cible et but. Aïe, dommage. C'est dommage car c'était bien joué. Oui. Et le débordement de Rousset et son centre. Et la tête de Platini, le but de Didier. C'était bien joué, dommage. Bon, il était hors jeu. Mais voilà une bonne action, ma foi, à mettre à l'actif de cette équipe de France. C'est vrai qu'il est hors jeu. Oui. Incontestablement. Mais enfin, c'était quand même bien joué. Pokšić. Là, le centre de Rousset au deuxième poteau. La tête de Platini, qui venait donc au deuxième poteau également. Très bien joué. Peter. Oui. Faute sur Pokšić là, juste devant l'arbitre de Mahut, mais l'arbitre là n'a pas sifflé. Gengini. Tigana. Platini, Six. Bossis. Tigana. Trezor, Gires, Six, Tigana, bonne accélération là du Bordelais. À
Giresse dans les 16 mètres. Aïe. Ils étaient pourtant trois complètement démarqués sur sa gauche. Mais la défense est bien revenue avec le gardien. Oui, très bonne sortie du gardien Catrix. Oui. Là, en 5 minutes, là, les Français se sont créés davantage d'occasions finalement que depuis le début de cette première mi-temps. Anne Mich. Ashian, bien pris par Tigana, contre qui est favorable aux Hongrois. Bossis. Oh, s'il vous plaît. Excusez-moi. Alain Giresse. Les Hongrois sont de bons techniciens, les Français aussi. Ah oui. Ah oui, surtout Max Bossis. Bien joué. Entre Didier Six et Bernard Gengini. Faute. Notez quand même que les Hongrois font davantage de fautes. Ah oui, beaucoup de fautes. Beaucoup de fautes. Michel Platini. Faut se dépêcher car la mi-temps approche. Encore 2 minutes. Platini, contre-favorable dans sa course. Pied droit, deuxième poteau. Dégagement, Kerekes, Pokchik. Mahut, bien fait. Très bonne première mi-temps de Philippe Mahut. Ah, petite mésentente entre les deux Bordelais, mais ballon toujours français. Tigana, Mahut, Giresse. Encore. Oh là là. Tote. N'arrête pas de prendre des coups. Jambes d'appui là. À chaque fois qu'il essaie de faire quelque chose, forcément il est très difficile de lui prendre le ballon. Car il a un centre de gravité très bas, il tourne fort rapidement. Chaque fois c'est faux. Platini. Eh, hey, bon ballon. Tussaud. Oh non. Aïe, du bout des doigts, encore Catrix le reprend. Et encore une fois, hors-jeu signalé par le juge de touche, monsieur Goris. L'un des deux juges de touche belges, messieurs Goris et Dobliker. Les Français se seront laissés souvent prendre à ce piège du hors-jeu, bien joué par la défense hongroise. Qui elle aussi fait une très bonne première mi-temps, cette défense. Bon ballon de Garaba. Hors-jeu aussi de l'autre côté. Numéro 10 hongrois, Guillaume Bourcha. Et les Français repartent. Giresse. Platini. Trésor. Jean Tigana. Giresse. Ah, aussi dommage, ça file à Platini, c'est pratiquement une balle de but, mais ça n'a pas filé. Bokchik. Et coup de sifflet de l'arbitre belge, monsieur Vereg, qui indique que les 45 premières minutes sont terminées, que c'est donc la mi-temps, et que les deux équipes s'en retournent au vestiaire dos à dos, aucun but n'ayant été marqué au cours de cette première mi-temps. Alors nous allons rendre l'antenne à nos studios de la rue Cognac-Jay. Et puis nous nous retrouverons lorsque reprendra, enfin quelques minutes avant que ne reprenne cette partie entre la France et la Hongrie, le 19e match entre ces deux sélections depuis le premier match France-Hongrie. Ici donc le Parc des Princes, à vous Cognac-Jay. Bonsoir, avant de revenir au Parc des Princes pour la deuxième mi-temps de ce match France-Hongrie, quelques informations sportives. En football tout d'abord, un rappel, cet après-midi à Budapest, l'équipe de France Espoir était opposée en match amical à l'équipe de Hongrie Espoir et les jeunes Français se sont imposés sur le score de 2-0. Les Français ont très bien joué, semble-t-il, et ont donc remporté ce match facilement grâce à 2 buts marqués par Leroux et par le monégasque Bruno Bellone. Si les Français sont qualifiés automatiquement pour le championnat d'Europe des Nations qui aura lieu donc en France en 1984. En Europe, on joue pour se qualifier pour cette phase finale des championnats d'Europe. C'est ainsi que cet après-midi, la Suède et la Tchécoslovaquie étaient opposées à Bratislava et les deux équipes s'en sont retournées sur le score nul de 2-0.
En boxe, ce sera demain la réouverture de la saison parisienne avec au stade Pierre de Coubertin. Trois combats à suivre. Vatleb sera opposé à Lidgoe, Choué sera opposé lui à Maurice et Winterstein boxera face aux Aérois Kamunga. Donc des matchs de puncher donc pour la rentrée de boxe à Paris demain au stade Pierre de Coubertin. Voilà, nous allons sans plus attendre retourner au Parc des Princes pour suivre la deuxième mi-temps de ce match France-Hongrie avec Thierry Roland et Bernard Père en espérant cette fois-ci voir quelques buts. Le match est agréable à suivre mais on aimerait bien sûr retrouver un peu quelques buts pour cette deuxième période. Mon cher Lionel, je suis persuadé que les dieux du football vont vous entendre et que des buts nous allons en voir en deuxième mi-temps. Car voyez-vous comme les grands esprits se rencontrent en bavardant avec Bernard Père pendant ce court intermède. Eh bien nous faisions exactement la même réflexion, à savoir que le jeu était plaisant mais qu'il manquait cet ingrédient absolument indispensable à une bonne partie de football, à savoir les buts. En tout cas, il semble que les Hongrois, bien qu'il s'agisse là d'un match amical, Bernard Père, ont pris cette rencontre contre les Français très au sérieux et qu'ils n'envisagent pas de jouer simplement le rôle du sparring partner. Ils sont venus à Paris, peut-être pas pour faire comme pour la Pologne, mais en tout cas pour réussir un bon résultat. Oui, l'entraîneur Mezzoli, en sélectionnant des joueurs jeunes, en cherchant son équipe, pour jouer les matchs de qualification pour le championnat d'Europe et intelligemment, pourrait-on dire, les Hongrois se sont arrangés pour commencer ces matchs de qualification au printemps prochain, et bien en sélectionnant donc des joueurs jeunes, en leur offrant une chance de devenir titulaire. Finalement, il les force à jouer à fond, il les force finalement à essayer de faire jeu égal avec cette équipe de France, voire la battre si l'occasion s'en présente. Certes, les Hongrois ont été dominés au cours de cette première mi-temps, mais leur défense a prouvé qu'elle était excellente. Ils se sont parfaitement regroupés en défense, certes en nombre. Ils ont profité des rares ballons de contre-attaque qu'ils avaient pour venir essayer de menacer cette défense française qui n'a pas eu beaucoup de travail, car là, la défense française a été également impeccable. Castaneda n'a pas eu un seul arrêt à faire. Mais le reproche que l'on peut faire, bien sûr, à cette équipe de France, c'est d'avoir voulu passer absolument par le centre. Les combinaisons partaient bien. L'entente est toujours la même entre Genghini, Tigana, Platini et Gires. Didier Six est venu également, lui, sur le centre pour aider ses partenaires dans le jeu. Mais finalement, Laurent Rousset également a bien participé au jeu collectif de cette équipe. Enfin, il manquait quelque chose à cette équipe, il manque quelque chose à cette équipe, à savoir un peu de pénétration dans la surface de réparation. Et ils ont le tort de vouloir absolument passer par le centre, de ne pas écarter assez le jeu, semble-t-il. Car à chaque fois que les joueurs sont venus vers l'aile, que ce soit Genghini ou Gires, eh bien, on a vu quelques situations assez dangereuses pour le gardien du Katsirz, qui a fait une grosse impression, cela dit. Il n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire, mais il apporte beaucoup de sécurité à cette équipe hongroise qui rentre maintenant sur le terrain. L'entraîneur hongrois Mezzoli a demandé à Michel Hidalgo l'autorisation de faire 4 changements, c'est dire qu'il est à la recherche de son équipe type. Il faut dire aussi que l'équipe hongroise est tombée dans un groupe assez difficile dans ce championnat d'Europe avec l'Angleterre, le Danemark, la Grèce et le Luxembourg. Oui, pour l'instant Bernard, c'est la formation qui a terminé la première mi-temps, qui est revenue sur la pelouse du Parc des Princes. De même du reste que du côté français, on pensait peut-être que Michel Hidalgo ferait appel au meneur de jeu de l'équipe d'Auxerre, Jean-Marc Ferreri. Pour l'instant, il n'en est rien. Et ce sont les 22 mêmes acteurs qui ont disputé la première mi-temps, qui vont disputer la seconde. Et comme le souhaitait Lionel Chamoulot à l'instant, eh bien, souhaitons que nous ayons des buts pour ces 45 minutes à venir. On peut penser, en ce qui concerne Jean-Marc Ferreri, qu'il rentrera au cours de cette deuxième mi-temps, comme lui a promis Michel Hidalgo. Les Français qui ont reçu très certainement des consignes de Michel Hidalgo d'écarter le jeu, sans doute. Et alors que les Hongrois viennent d'engager. Oui, premier ballon à Pokšić et ballon qui file directement à Katsirz, le gardien de but hongrois, gardien de but de Zalek Zerlag.
un club qui n'est pas des mieux classés, un club de la province hongroise. En tout cas, cette équipe hongroise a tout de suite trouvé également son unité dans la mesure où le milieu de terrain de l'équipe est composé exclusivement de l'équipe championne de Hongrie, ah oui, à savoir Raba et d'autres. Donc au niveau du jeu, bien sûr, ils n'ont eu aucun problème pour se trouver. C'est un avantage. Équipe de Guillaume. Et pour l'instant, des Français qui cherchent à prendre le ballon hongrois. Voilà qui est fait par Tigana. Bon ballon pour Rousset. Michel Platini. Rousset. Ah, il y avait 5 maillots blancs dans un tout petit périmètre. C'est exactement le scénario que nous a faute de Mahu. Là, oh là, il est arrivé en retard sur ce tacle. Oui, il y est allé de tout son cœur. Et l'arbitre, monsieur Vereg, siffle coup franc en faveur de l'équipe de Hongrie. Joué rapidement entre Kerekes et Garaba. Ashian. Anmich. Bon ballon. Chires. Trésor souverain ce faute. Soir. Oh là là. C'est pas croyable. Peut-être le joueur le plus combatif de la Coupe du Monde, Alain Giresse. Mais en tout cas, ce soir, les Hongrois ne le ménagent pas du tout. Certes, ce ne sont pas des fautes très graves, des agressions, mais il y a faute à chaque fois et cela empêche Alain Giresse de développer son jeu. C'est surtout, ça empêche, oui, c'est ça, le jeu de se développer. Car la faute est commise toujours au départ de l'action. Jean Tigana. Trésor. Tigana, contré par Anmich, relais avec Mahu, Tigana, Gengini, Tigana. Là cette fois-ci il a du champ, Tigana. Oui, bien joué Giresse. Ah, et au dernier moment, Kerekes met en corner. C'était très bien fait entre les deux Bordelais, Jean Tigana et Alain Giresse, et un corner en faveur de l'équipe de France joué là-bas par Didier Six. Ah, les accélérations de Tigana sont souvent des accélérations meurtrières. Avec Giresse. Platini. Hey oh. Ah oui. Il a levé les yeux au ciel, Michel Platini, parce que cette reprise de volée, il a eu le temps vraiment de la préparer. Il est passé à quelques centimètres du poteau gauche. On revoit cette action. Le centre de Giresse, la tête de Laurent Rousset. Et regardez Platini qui est seul. Et bien croisé. Ouais, il ne manque pas grand-chose. Hein. Et là, le gardien hongrois a été battu. Platini. Six. Tussaud s'engage. Non, Six repique au centre. Platini. Tigana. Tigana. Rousset. Rousset. Oui. Ah, non. Ah, c'était bien joué. Et il n'y avait personne pour reprendre ce ballon. C'est contré par le gardien hongrois Vela Katsirs. Vous voyez qu'à ras de terre ce gardien de but. Okay, le ballon est difficile hein, parce qu'il était très très bon. Grand et bon. Bien tiré de la part de Laurent Rousset. Et dommage qu'il n'ait pas eu un Français pour reprendre cette balle. Il n'était pas en Coupe du Monde. Il a 29 ans pourtant. Et il compte 16 sélections, c'est sa 17e sélection. Enfin, il faut remarquer, Thierry, que les Français ont pénétré deux fois là, dans les 18 mètres en se montrant dangereux. Ça n'avait pas été le cas en première mi-temps. Gengini, Giresse, Platini, Borotian a essayé de déposséder le meneur de jeu de l'équipe de France. Ouais, ce ballon fuse quand même sur cette pelouse qui tient bien. Et c'est un étonnement pour beaucoup parce qu'avec ce qui est tombé sur Paris, mais le ballon fuse quand même sur des ballons comme celui que vient d'adresser Michel Platini à Laurent Rousset. Garaba, Tote, Fokchik, Peter. Je le disais en première mi-temps, c'est un ancien attaquant ce Peter. Alors il faut s'en méfier, surtout lorsqu'il est en position d'ailier, comme c'est le cas en ce moment. Ah oui, bien joué, fait. Grand pont Michel. Très belle action là. Laurent Rousset face à Tote. Et une faute.
L'arbitre non, c'est mal fait, monsieur l'arbitre. Il a sifflé trop vite et c'est dommage parce que certes, il y avait une faute sur Laurent Roussel, mais il avait quand même réussi à donner le ballon à Didier Six. Tigana. Ah oui, et voilà, le ballon, il est perdu. Ah là 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 là, il avait le sifflet qui était collé à la bouche, monsieur Vereig. En tout cas, Laurent Rousset, je trouve, s'adapte parfaitement au jeu de l'équipe de France. Il faudrait qu'il a joué toujours avec cette équipe. Vous me direz qu'il a joué longues années avec Michel Platini. Bonne interception, Tussaud. Attention, parce que Six était hors jeu. Et c'est pour ça qu'il ne lui a pas donné. Thierry, il a eu raison du reste. Souvent hors jeu, Didier Six. Hanmich. Alors que deux joueurs hongrois sont partis s'échauffer là. Ils ne vont pas tarder à rentrer en jeu. Tigana. Gires, après cet exploit de Tigana. Gires toujours. Ah, ça va être dur. Ah ouais. Non, 6 mètres. Alors que Bossis réclamait. Un poil profond de la passe de Alain Gires à Max Bossis. C'était bien vu parce qu'il ne l'avait pas redonné au centre où la défense hongroise était venue se poster. Il avait bien vu Max Bossis s'engager, mais il manquait un mètre ou deux à ce ballon. Peter. Vorotian. Peter. Pokšić. Ah, bien joué. Ah oui, Vorotian, superbe. Vorotian, Mahu, ballon toujours en droit, Vorotian, bien fait Tussaud là, bon tacle Tigana. On sent vraiment les tricolores maîtres du jeu, mais il manque le but. Platini. Le jeu se débride également et on dirait que Mahu. Les uns et les autres ont davantage d'espace. Platini, Platini toujours, deux Hongrois. Ah, c'est bien vu tout ça. Laurent Rousset face à Toth, le capitaine de la sélection hongroise. Centre de Laurent Rousset, Ara de terre, Garaba, Achian. Très bon aussi, cet ailier gauche. Très vif. Ah oui, les deux ailiers qui débutent dans cette rencontre, moi personnellement, me font une grosse impression. Genji, bon contre. Six. Vous voyez, Six a tort, je crois, de venir à chaque fois vers le centre. Il devrait plutôt écarter. Gires. Du mal, la défense hongroise s'est regroupée. Laurent Rousset, là-bas en position d'ailier. Tigana. Platini. Oh. Ah. Il aurait peut-être dû mettre le pied. Et il n'était pas en jeu, en plus. Non, c'est bien. Les Hongrois ont cru en jeu. Il a préféré mettre la tête que le pied. La Tigana a bien vu Platini sur cette action. Hop, de l'autre côté, un centre impeccable. Marqué, c'était difficile aussi à mettre, mettre le pied. Oui. Parce qu'elle était très haute finalement. Ah, et en plus, Michel Platini est un joueur de tête. Il l'a prouvé une fois encore. Achian. Pourcha, non. Marius Trésor. Mahu. Ah non. Ah. Là, je ne sais pas trop ce qu'il a voulu faire, Mahu. Un grand pont, mais il n'avait pas assez d'espace. Peter fait la remise en jeu pour les Hongrois. Et on joue la 10e minute de la deuxième mi-temps, 55e minute de la partie. Ah, bien joué. Ah, bien raccroché ce ballon par Hanmich. Mais tout de suite perdu. Thierry Tussaud. Trésor. Platini. Non. Ça devrait quand même se débrider un moment ou un autre ce match. Ah, une bonne. Ah. C'est bien sur tous les ballons également, oui. Les Hongrois. Kerekes. Garaba. Kerekes. Attention sur la gauche là-bas, Achian, centre du pied gauche.
Fourcha, dangereux, tire, oui, elle sortait. Dehors, mais oui, mais enfin, il valait mieux la prendre. Ouais. Ouais. On ne sait jamais. Et puis, il commençait à avoir froid un petit peu, Jean Castaneda. Une bonne action hongroise, là. Très bonne accélération de l'ailier gauche, Hachian, encore une fois. Yulia Hachian. Et corner tiré par Borotian. Oui, bonne sortie. Bossis. Gires. Avec Mahut qui s'engage. Six. Mahut. Rien, dit l'arbitre, mais simplement en touche. Garabin est allé de bon cœur là-dessus. Oui. Mais Mahut a une belle santé. Vraiment en pleine forme. Il faut dire que pendant le mondial, il ne s'est pas trop fatigué, lui. Ouh là là, il y a du remplaçant tricolore qui va s'échauffer là aussi. Ah oui. Courriol, Ferreri et Soler. Trésor, Trésor. Oh, accélération, mais obstruction. Il y a obstruction, monsieur l'arbitre de Peter. Avant que Marius Trésor ne commette la faute, il l'empêche de progresser vers le ballon. Mais ça fait toujours 0 à 0. Eh oui. Et le temps passe, puisqu'en regardant le chrono, on voit qu'on en est à la 13e minute de cette deuxième mi-temps. Il reste encore 32 minutes donc. Et bien difficile à, quand même à manœuvrer cette équipe hongroise, parce que l'équipe de France joue bien, elle manque un peu de pénétration, de conclusion, mais enfin, finalement, même avec ce 0 à 0, je trouve que le match est très plaisant, disputé sur un bon rythme. Mais forcément, un match sans but. Toujours un peu, encore une fois, Platini, là. Ça, ils ne font pas de cadeaux. On parle de match amicaux. Ils ont commis vraiment beaucoup, beaucoup de fautes. Bon, certes, pas méchantes, non, comme on le disait en première mi-temps, mais enfin, c'est des fautes. Bossis. Platini. Tigana. Gengini. Voilà. Alors, ils étaient trois contre Laurent Rousset qui était venu là au cœur de la défense. Tussaud. Trésor. Tigana. Ah non. Contré par Pokchi. Oh. Faute. Et l'arbitre laisse jouer Hachian. Pokchi. Anmich. Oh oui, Marius. Impeccable. Marius Trésor qui avait été un peu vexé à l'issue du match contre la Pologne. Six. Peut prouver qu'il a gardé toutes ses qualités. Tussaud. Ce que tous les Bordelais savent. Voilà, c'était un peu aidé du bras, Tussaud. L'arbitre fait signe de jouer. Eh non. Oui. Il est allé, Gengini, et en plus il a pris le gardien et ses 99 kilos sur le dos. Il est costaud ce gardien. Oh là là, oui, il est costaud. Et Gengini s'est fait mal. Il est allé au choc là, Bernard Gengini. Et il a pris en étant porte-à-faux. Il doit souffrir parce que Didier Six, on revoit cette action, Didier Six a voulu le relever. Il est retombé souffrant terriblement. Et là, hop, et le gardien là, lui tombe sur les reins. Oui. J'ai l'impression que Ferreri va rentrer plus tôt que prévu. Ainsi qu'il revient du reste vers le banc de touche, appelé par Michel Hidalgo. À ses côtés, on vous l'a dit, son nouvel adjoint Henri Michel. J'espère que ça n'est pas trop sérieux
Non, pour Bernard, qui est un garçon charmant. Alors, ça lui a coupé le souffle, j'ai l'impression. Il faudrait pas dire que Zenghini soit épais. Je pense que le gardien est assez impressionnant. Ah oui, oui. C'est sûr que... Beau gabarit de poids lourd. Hein. 1m95, 99 kg. Quand il vous tombe dessus, c'est solide. C'est reparti. Kerekes. Garaba, Pokchik, Garaba, ah merci, Six, Platini, ah là c'est une occasion à ne pas manquer, oh quel dommage, là c'était un cadeau des Hongrois, hein. Vrai cadeau, Gengini, Platini, Six, et encore une faute hongroise, oh, aïe 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 aïe, ah mais il était difficile à prendre ce ballon, un ballon qui rebondit comme celui-ci. Bah, ça fait quand même deux fois en une minute là, que la défense hongroise se trouve bien comme il faut. Hein. Mais la Platini qui a été chercher ce ballon du bout du pied. Le centre de Didier Six, très bien travaillé. Le gardien là qui rate et Laurent Rousset qui est trop loin. Girès, Mahut. Long dégagement. Attention, là il y a du champ, mais il y a Trésor, toujours très vif. Tigana, dépossédé. Merci. Et récupère le ballon. Ah, ils commettent beaucoup d'erreurs en ce moment, les Hongrois, il faudra en profiter. Girès. Ah, par le centre, ils sont très groupés. Il y a toujours 4 ou 5 joueurs très resserrés. Alors il y en a un qui va sur le porteur du ballon et les deux sont derrière. Si bien que les 1-2, comme celui que tentait Girès et Platini, eh bien, échouent assez souvent à proximité de la surface de réparation. Alors que Mahut... bien dépossédé Gentes, là il a voulu jouer au plus malin à l'avant-centre hongrois avec Mahut, mais c'est lui qui a perdu. Gengini, faute de Gentes. Pas de chance Gengini en ce moment, il n'est pas dans les bons coups. Hein. 19e minute, 19 minutes de jeu et toujours 0-0, on attend un but, il va arriver, il va arriver. Tigana, Rousset, aux prises avec Peter, le grand hongrois qui réussit à dégager, Trésor, Mahut. Trésor. Tigana, Six. Oh là là, ils accrochent le maillot. J'ai l'impression aussi que ces Hongrois commencent peut-être à fatiguer un peu. Ils ont beaucoup couru. Et dans ces cas-là, mais qu'est-ce que l'on fait? On donne des coups, on accroche, on truque en somme. Les artistes là ne sont pas tellement à leur aise. Gengini va sortir. Ferreri, oui. Oui. Et le jeune protégé de Giroud, Ferreri, va rentrer sur la pelouse. Gengini qui sort sous les applaudissements. Il aura fait un bon match, Gengini. Encore une fois, alors qu'on le disait en forme très moyenne, il va réjouir quand même les Stéphanois. Trésor. Ah, bien oui, bien fait. Oui, Rousset. Laurent Rousset sur le ballon, bien remis de la tête par Didier Six. Très belle accélération de Trésor, Girès au départ. Et très bonne remise de balle, je pense qu'on va le revoir. Et c'est Laurent Rousset qui ouvre la marque. Voilà, voilà sa part de ce coup franc du reste. L'action était superbe. Regardez, avec cette caméra que Pierre Bladel a passée. Ah, le 1-2, il va vite, hein. Girès, Trésor, le centre au deuxième poteau, Six, Rousset qui prend son temps et du pied gauche. Bien fait. Du petit côté. Et bien, voilà. C'est bien joué, c'est mérité, je crois. Cela se situe à la 20e minute de la deuxième mi-temps. 45 et 20, 65 minutes de jeu. 1-0 pour la France. Bah, écoutez, moi, ça me fait plaisir pour la France et pour Laurent Rousset.
pour sa première sélection, c'est très bien. Voilà qui va le mettre en confiance pour une bonne partie de sa grande carrière, j'espère. Et je crois aussi qu'on peut le dire, Bernard, du reste, vous n'avez pas manqué de le faire à Stade de Midi. C'est la fin, je crois, d'un très long cauchemar pour ce garçon qui était l'espoir numéro 1 du football français, puis qui a été très très sérieusement blessé au point qu'on croyait sa carrière terminée et qui est vraiment revenu à son plus haut niveau cette année. On sait qu'il avait songé à un moment à abandonner le football. Il s'est donné cette année pour réussir. Et bien voilà, il va le mettre en confiance. On sait que pour jouer avant-centre comme pour jouer gardien de but, il faut être en confiance. Et des avant-centres de 20 ans et demi, 21 ans, eh bien il y en a peu. C'est un poste où il faut avoir beaucoup de métier pour sentir les coups, comme l'on dit. Et Rousset a tout pour réussir, maintenant qu'il est débarrassé, semble-t-il, de tous ses ennuis, avec ses 25 cm de fil qu'on lui a retiré du genou. Alors que Ferreri l'a obtenu un corner, joué rapidement entre Platini qui a récupéré un ballon impossible et coup de tête, bien joué encore de Laurent Rousset, mais juste à côté du but défendu par le gardien en droit, Bella Katzirk. Là, les Hongrois marquent le pas, semble-t-il. Je disais qu'ils étaient un peu fatigués. Les Français continuent à jouer sur le même rythme. Et maintenant, trouvent des ouvertures dans la défense hongroise qu'ils ne trouvaient pas en première mi-temps. C'est pourquoi on les voit souvent, maintenant, beaucoup plus souvent, dans les 18 mètres hongrois qu'en première mi-temps. Alors que Toroksik, l'un des bons joueurs hongrois de la dernière Coupe du Monde, le numéro 17, va rentrer avec le numéro 14, Sapo, le meneur de jeu toulousain. Ah, on fait entrer le métier du côté des Hongrois. Le métier et le talent. Oui, parce que, encore une fois, Toroksik est très certainement le meilleur joueur hongrois de ces dernières années. Un garçon assez fantasque. Avec Sapo, les Toulousains le connaissent bien. C'est le meneur de jeu de l'équipe toulousaine qui a réussi un beau début de championnat. Toroksik dans ses œuvres. Attention à son premier ballon. Sur la gauche, centre et coup de tête de Thierry Tussaud. La balle va sortir en sortie de but. Non, en touche. Sortie en touche. Sortie de but, c'était le corner. Ah oui, jolie talonnade. Tigana. Allez, les Hongrois accélèrent. Cette rentrée leur a redonné le moral. Contré. Toroksik, faute. Oui. De Tussaud, l'arbitre ne siffle pas, mais il y en avait une sur Six. Il n'avait pas sifflé non plus. Platini. Tigana. Là, brusquement, avec les deux rentrées de Sapo et Toroksik, les Hongrois ont accéléré. Et sont venus menaçants. Enfin, Mahu. La défense française, moi, me fait bonne impression. Vraiment, beaucoup de sûreté, de calme, ne commettant aucune faute pour l'instant. Et Marius Trésor, le plus souvent, à 40 mètres de son but. Mahu. Six. Tussaud derrière lui, Mahu. Tigana. Sur la droite, Girès. Aux prises avec Bourcha. Toroksik. Eh non, elle est sortie. N'a pas réussi à arriver à temps, l'ailier droit à Borotian. Et la touche est pour les Français. En l'occurrence, pour le défenseur nantais Thierry Tussaud. Lui aussi revenu en équipe de France après une longue éclipse. Il avait été sérieusement blessé, lui aussi. Il s'est marié, il est maintenant père de famille. Et il a beaucoup mûri, Thierry. Et il retrouve l'équipe de France. Pour avoir été l'un des plus jeunes talents prometteurs du football français. Toroksik voulait donner à Peter, intervention Didier Six qui renverse le jeu de la poitrine. Laurent Rousset pour Bossis, derrière lui Girès. Tigana. Ferreri. Ferreri avec Platini. Ferreri avec Platini. Bien joué le gardien. Oui, bien joué le gardien, mais belle action.
Double jeu entre Ferreri et Platini. Et ça, c'est bien le truc, Ferreri, l'autre jeune de cette équipe de France finalement. Garçon qui avait été bon, ma foi, contre la Pologne dans le naufrage. Attention au contre des Hongrois là. Et bonne intervention de Max Bossis. Ferreri encore. Et donc, je croyais bien que Ferreri allait marquer ce deuxième. Attention but. Didier. Eh oui. Ah, ah, il a de la chance, il s'en tire bien. Mais pas deux fois. Zappo. Peter. Platini. Dit monsieur Vérec. Justement, parce que Tissot a fait une faute sur ce Peter. Excellent également. Non, mais il a eu, ce que je veux dire, c'est qu'il a eu un coup de sifflet discret que l'on a à peine entendu. Zappo. Borotian, oh, bien contré parce qu'elle partait dans un bon angle. Là encore, bien contré le tir de Kerekes. Tote, le capitaine. Ashian. Borotian. Torokchik. Bonne prise de balle de Gentilgana. Ballon en avant pour Laurent Rousset. Faute, monsieur l'arbitre. Il l'a sifflé. Oui. Je me suis demandé à un moment donné s'il l'avait sifflé ou non. Joué entre Six et Girès. Ferreri. Ah, il a raté son contrôle, Ferreri. Il a voulu faire un contrôle en pleine course là, pour effacer Tote. Il n'est pas parvenu. Il est très vif et très opportuniste également, ce Ferreri. Beaucoup de talent. On le couve à Auxerre depuis de nombreuses saisons, international junior bien sûr. Un garçon plein de talent. Un des grands espoirs, au même titre que Bravo à Nice, du football français. Et que Stoppira, Anziani et compagnie. Ah oui, une faute sur Toroxic là. Et un coup franc en faveur de l'équipe de Hongrie. À une quarantaine de mètres du but français. Les Hongrois qui ont accéléré l'allure, c'est incontestable, depuis la double rentrée de Toroxic et de Chapeau. Alors que dans l'équipe de France, Soler remplace Didier Six pour le dernier quart d'heure de cette partie amicale entre la France et la Hongrie. 19e du nom, dans laquelle la France mène par 1-0. Gérard Soler également auteur d'un très bon mondial, surtout au début dans les premiers matchs où il était de très loin l'avant le plus percutant. Ah oui, et on l'a bien regretté dans ce fameux match contre l'Allemagne. Oui. Enfin, l'histoire ne se refera jamais. Il est probable que si Soler avait été sur le terrain... Oh, que c'est méchant. Schumacher aurait eu de ses nouvelles après son agression sur Patrick Battiston. Les Français sur le coup franc consécutif à cette faute sur Philippe Mahut vont pouvoir se dégager. Alors qu'il reste un quart d'heure à jouer. Et la France mène donc 1-0 le but de Laurent Rousset. Platini. Laurent Rousset toujours. Trésor, Mahut, Tigana, Girès, Ferreri. Oui, bon ballon pour le petit Girès. Encore. Oh, mais c'est pas possible. Et puis en plus, dans les matchs amicaux, ça sert à rien de donner des cartons jaunes. Oui. Parce que de toute façon, ils ne sont pas répertoriés à l'UEFA. Et vraiment, c'est un peu énervant. C'est pas méchant, mais c'est énervant. Seul intérêt du carton jaune en match amical, c'est qu'après, le joueur se méfie parce qu'au deuxième carton, il peut être expulsé. Ouais. C'est vraiment le seul intérêt. Thierry Tussaud va tirer ce coup franc.
tout petit mur hongrois, mur à deux joueurs. Dégagé des deux points. Bossis. Ballon qui était bien travaillé aussi. Oh. Bien joué Soler. Et Platini. Et Soler qui arrive une seconde trop tard. Allez, Hongrois, Ruchot, Borotian, ballon toujours français, Ferreri. Et faute. Oh. Alors, il a eu un bon ballon Michel Platini là, mais il n'y avait pas d'angle. Hein. Vraiment c'était difficile, il avait le gardien sur lui. Alors, les Français n'auront pas volé leur victoire si victoire il y a. Parce qu'ils se sont créés, et surtout en deuxième mi-temps, alors cette fois des occasions de but. Oh. Oui. Alors, je comprends que les Français commencent un peu à s'énerver parce que là Tigana. Oui, pas content, ouais. Jean Tigana. Il a fait. Tigana qui parle couramment le belge. Oui, et l'hongrois un peu moins bien. Mais il a fait savoir dans un belge parfait à monsieur Vereg, qui n'était pas d'accord sur cette façon de jouer. Platini, Tigana, Trésor, Mahu. Gires, bien fait ça. Platini. Pan. Oh. Aïe, 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 il a manqué. Il est malheureux. Ça fait rien. Et Michel Platini l'encourage. Oui, il y a main de Laurent Rousset. Oui. Fait signe l'arbitre. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est dommage. Oh là là. C'est bien joué quand même. De toute façon, il faut les tenter. Ouais. Torokchik. Zappo. Peter. Renverse le jeu. Ashian. Peter. Eh oui, faute de bras de Peter. Zoltan Peter. C'est Staneda qui aura passé finalement une soirée confortable. Heureusement pour lui qu'il pleuvait pas. Hein. Oui. Parce que c'est humide, remarquez. Oui, mais passer une bonne soirée au grand air comme ça sans toucher le ballon et sous la pluie. Ferreri. Oh là, encore. Entre 10. Bourcha. Bourcha lui a mis un coup à Platini. Il a vraiment raté encore et ça continue. Et là, faute de Zappo. Et qui va avoir droit à un carton. C'est pas très gentil de la part de Zappo qui joue en France et tout. Et il a tort parce qu'il n'aura peut-être pas affaire à un ingrat pour les matchs de championnat. Il y en a qui, en cette deuxième mi-temps, a pris pas mal de coups. Hein. Oui, tout comme Gires. Deux Bordelais ont été particulièrement visés par les crampons hongrois. Les Hongrois qui ont nettement baissé de pied au cours de cette deuxième mi-temps. Les 20 dernières minutes ont été difficiles pour eux. Ils n'ont pris qu'un seul but, ils peuvent s'estimer heureux. Parce que vraiment, là, l'équipe de France a joué toujours à son rythme, en parfaite condition physique. Et on montre le banc de touche qu'il faut un changement. Là, c'est un coup dur, j'espère que la blessure de Tigana n'est pas grave, parce que ce serait un coup dur pour les Girondins de Bordeaux. Tigana qui se relève là. Non. Ah, il va... Bonne béquille, j'ai l'impression. Ouais. C'est oh, Tigana, Coriol, qui va rentrer. Il n'est pas très épais comme ça à voir, mais il est vraiment très très solide. Alors maintenant, les Français vont revenir au 4-3-3 parce que Tigana va sortir. Couriol va entrer, très certainement en position d'ailier droit. Oui, et Jean Tigana, sous les applaudissements des spectateurs du parc, sort. Non sans avoir donné la traditionnelle poignée de main à Alain Couriol. Alors pour cette fin de match, donc trois attaquants pour l'équipe de France. Coup franc joué entre Gires et Trésor. Mahu. Couriol. Touche son premier ballon. Trésor, Mahu.
Là, il faudra que l'un des trois milieux de terrain se sacrifie pour défendre un peu quand les Hongrois ont la balle. Parce que les trois sont voués à l'offensive. Zappo aux prises avec Marius Trésor. Zappo qui a le dernier mot. Attention au centre en retrait qu'il fallait faire et qu'il n'a pas fait. Bel arrêt de Jean Castaneda. Mais vous voyez, on disait tout à l'heure qu'il n'avait pas eu de ballon. Là, il a eu celui-là, il l'a bien maîtrisé. Ce qui n'est pas évident quand un gardien n'a rien à faire dans une partie comme ça. Il peut prendre des buts bêtes. Oui, mais si Zappo avait centré, en jeu. Si Zappo avait centré en retrait. Oh là là, alors qu'il y en a encore deux autres qui vont rentrer. Là, du côté hongrois, le numéro 15, Kelleman, qui lui aussi est un vieux de la vieille, qui va rentrer. Et le numéro 16, Fazekas, encore un ancien qui joue en Belgique, à Antwerp, à Anvers. Donc il va rentrer lui aussi. Peut-être pour essayer, on appelle la vieille garde, pour essayer d'arracher le match nul. Oui, mais il faut faire vite parce qu'il reste plus grand temps. Il reste environ une dizaine de minutes si l'arbitre tient compte des arrêts de jeu. Platini. Courriol. Ferreri, oui, bien fait avec Courriol. Reprise avec Peter. Bien joué de la part de l'arrière droit. Il a fait un très bon match, ce Peter. Il a été très bon face à Didier Six. Très difficile à passer. Balloquet, il a des grandes jambes. Il va vite. Zappo, il a été bon sur contre-attaque également. Borotian, Ashian, l'ailier gauche. Gires. Bossis, il aura encore fait le match là aussi ce soir. Après, il faut dire que Max Bossis n'est pratiquement jamais décevant sous le maillot de l'équipe de France et a toujours réussi de remarquables performances. 44e sélection ce soir. Oui, lui aussi, il sera pas loin du compte, hein, Bernard, en fin de carrière. Thierry Tussaud. Oui, bien joué, bon débordement face à Pouchia. Centre, mais centre trop mou. Borotian. Il avait bien débordé, Thierry Tussaud. Attention à la contre-attaque. Courriol vient prêter main forte à ses défenses. Torokchik. Borotian. Face à Courriol. Oh. Attention à ces Hongrois qui sont... Ouh là là. Encore Bossis, hein. Face à Ashian. Platini qui calme le jeu, Gires maintenant qui perd le ballon, passe un peu hasardeuse de la part de Laurent Rousset là. Les Hongrois font une fin de match animée, Garaba perd le ballon à son tour, Gérard Soler, Gires, c'est un peu fort, Peter, un peu court, Gires sans doute un peu fatigué également, eh oui, alors que Jean Vion va rentrer, avait décidément fait rentrer tout le monde. C'est un match amical. Bourcha. Garaba. Ferreri bien revenu. Et c'est lui dans les trois hommes de milieu qui vient défendre un petit peu. Car là maintenant, les deux équipes sont complètement débridées. C'est-à-dire que le marquage n'est plus aussi strict qu'en début de match. Il en est le même dans toutes les rencontres. Et il faut se méfier. Française a souvent pris des buts bêtes comme ça en fin de match. Courriol, Gires, Marius Trésor, Ferreri, oh. Zappo renverse complètement Bourcha. Torokchik, bien pris par Tussaud là. Peter, il a failli sortir Peter là et puis il y a les pancartes qui se sont levées et finalement il n'est pas sorti. Toth. Hors-jeu. Hors-jeu, oui. Là il va rentrer. Alors nous avons Dandy, on fait rentrer Fazekas. Et Kelleman. Kelleman à la place de Peter et Jean Vion qui rentre du côté français. À la place de Rousset. Une surprise, on remplace
un attaquant par un défenseur dans l'équipe de France. Laurent Rousset est accrédité d'un bon match. Toujours bon de marquer un but pour sa première sélection. Oui, c'est ce qui était arrivé au Niçois Bravo lorsqu'il était rentré aussi contre l'Italie. Il avait marqué un joli but. Et il y a quelques jeunes donc de talent qui pointent le nez, qui seront peut-être là dans cette équipe de France dans 2 ans. Car c'est ce qu'il faut préparer maintenant, ce qui concerne l'équipe de France, c'est cet championnat d'Europe des Nations. Championnat d'Europe des Nations du printemps 1984. Ça paraît loin comme ça, mais ça va venir très très vite. Alors pendant 2 ans, il y aura des matchs amicaux. Il ne faudrait pas que les Parisiens boudent de ces matchs amicaux. Parce que quand il y a un stade plein, un public chaud qui encourage son équipe, c'est quand même plus facile pour elle. Oh ah, il faut sortir, bien joué Castaneda. Car sur cette action, Léon Droit s'était présenté tout seul. Bonne percée de Fazekas, qui est un joueur de grand talent. Il n'est plus tout jeune, mais il est remarquable. C'est le dernier escapé de l'une des grandes équipes que la Hongrie est possédée. Corner obtenu par Ferreri. Bonne attaque, la Giresse Ferreri. Il est très rapide ce Ferreri également. Très bon technicien. Il a lui aussi très rapidement trouvé ses marques au milieu des Giresse, Platini et autres Tigana. Oh, les joueurs de talent se comprennent toujours. 3 minutes à jouer. Coup de tête de Soler. Bien vu de la part de Giresse qui écarte complètement sur Ferreri qui s'était remis en jeu. Coup de tête de Kerekes. Giresse tire. Oh. Oui. Bien joué. Bien fait. Ça. Avec la frappe de balle qu'il a sur la Giresse, il peut se permettre comme ça des tirs de 20 mètres. Souvenez-vous de ce tir contre l'Allemagne. Enfin bon, on ne va pas retourner le couteau dans la plaie. Mahu, Giresse revenu derrière, Trésor, Platini. Ah oui, pour Soler, c'est bien fait. Oui, sorti à la tête. Ferreri. Bien joué Max Bossis, encore du jus en fin de match comme ça pour revenir. Giresse. C'est dommage parce qu'il a bien vu Courriol également qui était complètement démarqué en position d'ailier gauche, Alain Giresse. Malheureusement Soler lui était hors jeu. Anmich. Torokchik. Garaba. Attention à Fazekas là, bien joué de la part de Trésor. Sur la droite, Torokchik. Ouh là là, un ballon dangereux. Jean Vion met en corner, mais qui est passé d'une façon très dangereuse, je le répète, devant le but de Jean Castaneda. Heureusement. On le revoit. Regardez bien ce ballon-là qui passe devant les 6 mètres. L'arbitre avait sifflé un hors-jeu, ouais. Alors que Jean Vion le met en corner, ce ballon. Alors, il faut noter le programme de l'équipe de France qui, le 10 novembre, se rendra à Rotterdam, jouer les Pays-Bas, un adversaire que l'on connaît bien maintenant, puisque les Français avaient éliminé les Néerlandais en Coupe du Monde et que Courriol attaque à complètement son contrôle. Ensuite, les Français, au mois de février, iront au Portugal. Ils rencontreront l'Union soviétique à Paris le 23 mars. Et la Yougoslavie le 23 avril à Paris. Donc, 2 matchs de suite au mois de mars et au mois d'avril. Encore une fois, espérons que le Parc des Princes sera plein pour ces 2 rencontres. France-Urse et France-Yougoslavie. Retenez les dates, mars et avril prochain. Torokchik. Les dernières minutes de cette partie. Fazekas, oui, faute de Soler. C'est-à-dire qu'il dit, moi j'ai rien fait. Enfin,
Alors ce serait quand même bête de prendre un but, car on joue les arrêts de jeu. Il y a la Zappo, il y a la Kelemen. Et des abdominaux, Michel Platini. Les Français se dégagent pour l'instant. Garaba. Oui, c'était fort jeu. C'était bien joué de la part de Hongrois, là, qui avait transpercé la défense française, qui avait cru en jeu. Mais bien joué de la part de Jean Castaneda. Oui, sorti au devant de ce ballon alors que l'on joue les arrêts de jeu et que le ballon est tombé dans la fosse qui entoure le Parc des Princes. Oui, les gens ne peuvent plus maintenant venir sur la pelouse. On a fait une barrière de protection qui est dangereuse. Il faut le signaler aux spectateurs futurs du Parc des Princes. Mais alors, il est impossible également. Ah oui, mais le ballon a été subtilisé par un jeune homme. Mais finalement, un autre jeune homme le rend, ce ballon, alors que l'on en avait mis un deuxième en jeu. Dernière minute de cette partie, dernière attaque tricolore, très certainement, par Alain Giresse, Bossis qui centre. Reprise acrobatique et tir de Solaire contré. Mahu, tir du gauche contré. Et finalement, la balle qui parvient jusqu'au grand gardien Katrich. Dites-moi, en deuxième mi-temps, les Français se feront créer des occasions. Et coup de sifflet final, Bernard, de l'arbitre belge, monsieur Verheyghe. Sur ce score donc de 1 but à 0, but marqué par Laurent Rousset à la 20e minute de la deuxième mi-temps, c'est-à-dire à la 65e minute de la partie, qui ponctue une victoire française qui ne se discute pas, je pense. Non, incontestablement, les Français ont mérité leur victoire, surtout en deuxième mi-temps. Ils ont fait tout le jeu en première mi-temps également. En deuxième mi-temps, ils ont su se créer des occasions. Ils n'en ont marqué qu'une seule par Laurent Rousset. Disons qu'après le match contre la Pologne qui avait été catastrophique, il y a un mieux dans cette équipe de France. Mais une fois de plus, il faudra travailler l'efficacité, chercher encore de jeunes talents. Mais cette équipe-là, en tout cas, a fait preuve d'une grande cohésion. On n'a rien perdu du Mondial, si ce n'est peut-être un peu, encore une fois, le sens du but, puisqu'au Mondial, les Français, souvenez-vous-en, avaient réussi à obtenir la meilleure attaque. Aujourd'hui, ils n'ont marqué qu'un seul but face à une équipe hongroise qui a fait excellente impression avec des jeunes joueurs de valeur, avec une organisation défensive très stricte, très rigoureuse, qui a considérablement gêné l'équipe française, qui n'a peut-être pas assez écarté le jeu, on l'a dit tout au long de cette rencontre, mais qui a fourni, comme l'équipe hongroise, du reste un jeu bien agréable en tout cas. Voilà, à noter que la nouvelle grille du parc est efficace car personne n'a pénétré, n'a envahi cette pelouse d'Auteuil, donc c'est une bonne chose. Et sur ces images de Pierre Badel, nous allons donc vous quitter en vous rappelant que la France a battu la Hongrie ce soir au Parc des Princes par 1-0 et que, comme vous le disait Bernard à l'instant, la prochaine rencontre du 11 de France aura lieu à l'extérieur.